Vous allez faire du vélo, Monsieur Smith? Oui. Bonne randonnée. Merci. Que tu mêles avec les nouilles. Pour le four? 350 degrés, une heure. T'oublieras pas de mettre des betteraves sur la table pour M. Smith. Hein? Difficile à oublier. J'ai hâte. Allô, les filles. Allô? J'ai pas le temps de vous parler. Je vais arriver à Montréal avant l'orage. Tante Eliane est en train d'accoucher. Déjà? Trois semaines en avance. J'ai demandé à Jocelyne, une de nos amies, de venir passer la nuit avec vous autres à l'auberge. Salut! Cousine! Cousin! Hey, on est seuls, l'auberge est à nous. C'est nous les maîtres! Je suis tellement contente de vous voir. Vous attendez au moins mon départ? Ah, t'es là? Ben oui. Je vous présente Patrick, notre nouveau moniteur de vélo de montagne. Salut. Salut. Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire de randonnée avant l'orage, mais on va s'en prendre demain. Soyez sages. Il y a des nouveaux développements. Je suis maintenant presque certain que c'est un espion. Ouh, j'ai peur. Et hier, je l'ai entendu parler sur un poste émetteur dans sa chambre. Tu parles toujours de ton amateur de betteraves? Qui sort dehors quand il entend hurler des loups. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de loups dans la région. Je vois. Mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus troublant. Qu'est-ce que c'est? Une carte des environs. Ah, c'est l'auberge des Pins Blancs. B, la piste bleue, et C, la piste rouge. Et ça? Ça, c'est la frontière américaine. Exact. Avec les trois endroits où on peut traverser, mais seulement en vélo de montagne parce qu'il n'y a pas de route ni de poste de douane. Et ça, c'est l'endroit rêvé pour un contrebandier. Bon, ben, tu nous montres notre chambre? Ouais, c'est la 2. OK! À tantôt. Tantôt. Je suis contente que vous soyez là. On va pouvoir vérifier s'il y a vraiment un poste émetteur dans sa chambre. C'est mon passe-partout. Tu veux qu'on aille fouiller dans sa chambre? Un petit service pour un cousin que t'adores. Bonjour, Monsieur Smith. Bonjour. J'ai croisé ton père. Bonjour. Bonjour. Il est parti pour Montréal? Oui. J'ai pas reçu d'appel? Non. Il faudrait le faire sortir de sa chambre. On se rejoint en bas. OK. Oui. D'accord. Non, c'est correct. S'il y a quelque chose, je t'appelle. Bye. C'est Jocelyne.
Elle dit que l'orage a fait de gros dégâts. La route est bloquée. Pourra pas venir. Bon. Hello? Monsieur Smith? La maison vous invite à vous joindre à nous pour grignoter un bol de pop-corn avec un verre de vin. Dans la cuisine. Merci. Vos amis ne sont pas avec vous? Elles ne vont pas tarder, Monsieur Smith. Asseyez-vous. Voici votre vin, Monsieur Smith. Et prenez autant de popcorn que vous voulez. Bon, je vais y aller. Non, attendez. Mes deux amis voudraient vous connaître. J'ai vraiment pas le temps. Catherine? Hello. Allô, Olivier, s'il vous plaît. Oui, je vous le parle. Quoi? Maman n'était pas en train d'accoucher? J'attrape le farceur qui a eu cette brillante idée. Mais pourquoi quelqu'un voudrait jouer un tour comme ça? Monsieur Smith? De toute façon, je rentre dès que je peux, OK? Avec l'orage, ça risque d'être plus long. Pas de problème. Tu peux rester à Montréal si tu veux. Des betteraves! Bye. Monsieur Smith, pourriez-vous m'aider à monter, s'il vous plaît? Bon. Je me demande ce que font les filles. On n'a rien manqué, j'espère. Ça vous a pris du temps? Maintenant qu'elles sont là, elles peuvent t'aider? C'est évident que quelqu'un voulait éloigner ton père de l'auberge. Ça, c'est quelqu'un qui savait que ta mère était à Montréal puis qui était pour accoucher bientôt. Pensez-vous que c'est lui? Je ne sais pas. Hey, il est au téléphone! La lumière de la chambre est allumée. Si on peut l'écouter, on a juste à pousser sur le petit bouton. J'en ai marre d'attendre dans cet hôtel miteux l'hurlement de loup qui vient pas. On a eu un petit contretemps, mais le contact a été fait. C'est pour ce soir, à 7 heures. Excellent. La voix de la femme. Mais quoi? Je l'ai déjà entendue.
Je vais aller faire un petit tour sous la pluie. À plus tard. À plus tard. Appelle la police. Non, pas tout de suite. On va faire l'inventaire des bijoux, puis après on leur demandera s'ils font partie d'une collection de bijoux volés. OK. Catherine, viens. Collier de perles blanches. Broche de diamants au clair de lune. Kat, tu peux laisser faire la poésie. La police. Puis tu leur diras qu'en plus des bijoux, là, on a trouvé des tonnes d'argent. La ligne est coupée. Oh non. C'est lui. Mais il se doute de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a voulu partir ce soir. Vite, il faut aller téléphoner chez Patrick. Oui, j'y vais. On est foutus. Catherine, reste avec Olivier au cas où Smith reviendrait. Je reviens tout de suite. Bon,